Oui, d'accord. La route est dangereuse. Vous tuez les nazis. Prenez, je reste à la voiture. On vous attend ici. Tuez tout le monde. Ok, on va faire comme t'as dit, parce que comme t'as pas l'air... Ah, papy, il me disait qu'il fallait que je prenne soin de sa petite fille, sinon il allait me tuer. Il devait pas rigoler, le papa. Donc salut, on se retrouve pour cette troisième et dernière heure consacrée à Wolfenstein The New Order. Et là, on va essayer de se focaliser un peu. On va pas sortir, on va rester dans le souterrain. Sur tout ce qui est skill. On va voir d'ailleurs ce qu'on avait à faire, parce qu'on n'a pas avancé beaucoup sur les skills, enfin sur les atouts. Alors là, élimination furtive pour obtenir le lancer de couteau, il en manque un. Ça, oui, il faut débloquer les précédents. Ça, c'est victime furtive au pistolet silencieux pour accroître la puissance du pistolet. Donc il faut que j'en bute 10 encore au pistolet. Élimination furtive de commandant pour afficher des commandants sur la carte, ça c'est bien ça. Merde, je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire. On va revenir sur les atouts. Alors, tactique, il va y avoir des trucs intéressants aussi là. Œil de lynx, augmente les dégâts de tir à la tête quand vous regardez par mon dans le viseur. Pistolet, il m'en faut encore un. Ça, faut débloquer le précédent. Ah ouais, faut d'accord, tout est bloqué là. Pour les attaques, victime avec deux armes, il m'en manque une. Et là, c'est pareil, il faut débloquer le tout précédent. Et démolition. Poche à grenade en plus. Poche à grenade en plus plus. Dans le mille, permet à vos grenades d'exploser au contact de la cible. Roquette plus plus. Ok, ça c'est quoi? Vaporisation. Accroît la vaporisation de l'ennemi. Victime indirect avec une grenade ennemie. Je comprends pas. Débloquer à tout précédent. Victime à la grenade ou à la roquette. Blindage. Augmente la résistance aux explosifs. Ok. Donc on va faire ce qui est furtivité. Et puis on va voir aussi, tiens, on va essayer de faire un peu de tout. Allez. Soyons fous. Alors. Pistolet, ça tombe bien. On en avait besoin. Il n'y a rien. Alors. On va essayer de se faire tout en furtif. Là. Puisque de toute façon, on essaye de débloquer la furtivité. Ça c'est fait. Donc là, ça y est, on a débloqué le lancer de couteau. Il y en a un autre à 18 mètres. On va regarder par en haut. Toujours se mettre en position en hauteur, tiens. Œil de lynx. Donc ça, c'était quoi qu'on a débloqué? On a débloqué un truc, là, normalement. Alors, des gaines rapides permettent d'équiper et d'enlever les armes plus rapidement. Ok. Donc il faut des tirs mortels à la tête, il en faut 40. Régénération rapide, accélère la régénération de santé, ça m'intéresse. Surchargez votre santé pour atteindre 200. D'accord. Victime à couvert au pistolet, il en faut 15, et ça c'est chargeur de pistolet, il y en a plus. Ok, pareil. Chargeur de fusil d'assaut, ok, ça c'est pareil. Donc victime à couvert au fusil d'assaut, ok. Et alors là c'est rechargement rapide, accélère le rechargement des armes. Donc fusil d'assaut il en faut 100, pistolet il en faut 50, fusil à lunettes, d'accord. Et là on a vu tout à l'heure. Donc on va continuer sur la furtivité. La furtivité c'était et tuer à couteau en plus, victime au furtive au lancer de couteau, il en faut 5. Une furtive au pistolet, ok. Élimination furtive de commandant, il en manque encore, ok. Bon, on va essayer de crocheter ça, voir ce qu'il y a à l'intérieur.
de l'armure. Des grenades. Qu'est-ce qu'il y a? Ça doit être la sortie de l'autre côté, je pense. On va regarder pour être sûr. Ah, ok, il y a un mec, on va l'éviter. Là-haut, qu'est-ce qu'il y a? On va aller voir jusqu'en haut si on trouve des trucs. Là, cette dernière, je vais essayer de la faire vraiment bien. Parce que je ne m'étais pas appliqué sur les précédents pour avancer vite. Bon, le gameplay était moyen, je trouve. Donc là, on va essayer de faire un peu plus sympa les tyroliennes. Et puis, on a récupéré un fusil à lunettes, vous avez vu. Donc, il était lié où l'autre là? Il y avait un mec tout à l'heure. C'est le deuxième au pistolet, donc il doit en rester 7, c'est ça, je crois. Ok. Alors. Ouais, je me suis aperçu en faisant l'encodage des vidéos pour YouTube. En fait, on entendait le clavier et la souris, je suis désolé. Là, mon micro est un peu plus sensible que d'habitude. La dernière fois sur Bound by Flame, je jouais à la manette, donc le problème ne se posait pas. J'ai été repéré? Par qui? Quel bâtard! Il n'y a pas d'alarme, donc je vais lui tuer tous les commandants. Merde, je voulais la faire furtive. Je voulais lui lancer un couteau, lui. Ah, d'accord. C'est fait. Retour à la voiture. Ok, bon, bah, c'était pas propre. Je suis désolé. Je voulais faire un peu mieux que ça. Voilà, je suis tombé sur les couteaux, je sais pas pourquoi. Je me suis trompé de touche. Et alors. Donc là, faut retourner à la bagnole. Mamie, elle a le fusil de chasse. Faut pas l'emmerder. Ils sont bien vos fusils allemands là, j'aime beaucoup. Oh putain, tu m'as surpris, mais. Ok. Ça on verra tout à l'heure.
Putain, je t'ai pas entendu venir, si tu peux venir, rien du tout. Il doit être chaud en mode très difficile. J'essaierai de faire un let's play dessus en mode difficile, parce que le scénario, tout ça, j'aime bien, je kiffe assez. Enfin, le scénario, la mise en scène, tout ça, l'ambiance. J'ai vraiment envie d'avancer dans l'aventure, et là, donc, du coup, je vais probablement refaire les 3 heures. Dès que ça sera fini, là, je vais recommencer le jeu à zéro. Et je vais entamer un let's play que je mettrai peut-être pas tout de suite en ligne, parce que pour qu'on finisse déjà... on va déjà finir Dead Space et The Amazing Spider-Man. Et comme ça, il sera déjà sur le disque dur. Je prendrai le temps de l'encoder, puis je vous le mettrai petit à petit. Puis j'essaierai de récupérer tous les trésors et tous les secrets, tout ça, parce que là, on s'est pas attardé dessus. L'ascenseur, si je le lève, ça va réveiller tout le monde. Du monde là. Où est-ce qu'il y en a encore? Bon, a priori nulle part, il est tout seul. S'il est tout seul, on va lui mettre une prune. Tout seul, bonhomme, c'est de la folie. Il y en a un, merde, putain, il y en avait un autre. On va sortir là. C'est ce qui est le plus efficace. Bon, là on a tout niqué. On peut pas aller par là. C'est dommage. Oh merde, on voit des trucs. Je peux lancer les couteaux maintenant, c'est vrai. On va peut-être prendre l'ascenseur. Hein. On a vu tout à l'heure là-haut. Où est-ce qu'il va nous emmener le pépère là? Il s'arrête pile poil où on était. Donc c'est bien par là qu'il faut aller, non? Ah d'accord, ok. J'avais pas vu. Oh, il y a du monde. Là-haut. 1, 2, 3. Ouais, c'est un peu... abuser là le mode furtif. Comment on fait pour aller niquer le mec qui était là-haut? Bien, il faut faire monter la plateforme. Au travail. Ok, ok, on va faire comme t'as dit lui, mais j'aurais bien aimé monter niquer l'autre là-haut.
Là, ça s'ouvre pas. Donc là, on est obligé de descendre apparemment. La glissade, j'aime bien. Ah merde. Ah, ouais, c'était un peu... Ouais, ouais. Je voulais y aller furtif et... C'était peut-être pas la bonne solution. J'aurais dû foncer dans le tas. Tant ça me paraissait une bonne idée. Ouais, on va recommencer ça. Essayer quand même le mode furtif. Qu'est-ce qui m'a échappé? Oh, comment il a spawné lui. Il est où le... Merde, putain, non, ça va pas le faire. Faut y aller direct, faut tuer le commandant en priorité. Ah putain. On va y aller bourrin, carrément. Sauter. Bien, il faut faire monter la plateforme. Ouais, c'est quand même plus efficace, on va dire, la méthode bourrine. Des fois, faut pas se poser de questions. De toute façon, à la base, c'est plus ça le jeu. Mais, alors, attends, on va voir ça après. On va déjà récupérer. Tiens, on peut aller quelque part. Hein.